Bon respect pour nous toutes. Bonjour, bonsoir tout le monde. Sophia TV 83, gros réseau. N'importe côté où y est, déjà, nous souhaitons bienvenue sous Chanel Information. La police dans la ville de Gonaïve a présenté par la presse 6 individus qui jouent arrestation yo dans deux opérations différentes PNH la mené. Il y avait mette en bas code parmi yo Julson Sena, 23 ans, ak Prévalon Bouisson, 28 l'année, arrêté pour tenter de participer dans détournement yo camion marchandises zone Marose commune Gonaïve précisément sous route Gomon qui t'a transporté produits alimentaires pour une valeur de 70,000 dollars américains qui l'a sorti dans ville au Cap haïtien et qui t'a pris direction port de paix. Après information a été fini tomber, la police t'a découvert camion ça cap débarqué marchandise yo dans rue Égalité dans cette ville Gonaïve là et bien rivé mettez en bas code mettre dépôt à plusieurs autres monde qui complice dans vol. Maxime Presse porte-parole la police là dans ville Gonaïve en suivre plus détails à commissaire qui t'a porté plus explication qui Jean Sartéye. Exalus Mejena depuis ville Gonaïve abdi nous plus. Pas oublier Sophia TV 23 gros réseau n'a continué travail pour qu'embé informé sur toute nouvelle Haïti ak le monde. La police dans Gonaïve présentée par la presse après-midi vendredi 28 août ça, 6 présumés bandits qui jouent arrestation yo dans deux opérations différentes PNH la mené dans cité indépendance temps mercredi 26 à jeudi 27 août 2020. Deux parmi individus Zayo qui c'est Sena Julson, 23 ans, après Valon Buisson, 28 ans, j'en arrestation yo pour tête, yo t'a détourné dans la localité Marose, sous route Gomon, yon camion marchandise qui te gen là-dedans, produit alimentaire qui évalue à plus passer 70,000 dollars américains qui t'a sorti cap haïtien en direction port de paix. Grâce à information, la police est disposée, yo t'a pral découvrir camion marchandise qui t'a débarqué dans yon dépôt qui n'a rue Égalité dans centre-ville là. Max Saint-Preux, c'est porte-parole. PNH là. Premier cas, il y a deux premiers individus qui sont impliqués dans le détournement au camion dans la matinée mercredi 26 août qui était sorti Cap Haïtien à destination de Port de Paix. Donc les camions ont été arrivés dans la localité Marose sur route Beaumont et des individus armés ont détourné le camion. La police était informée et elle a mobilisé tous les services d'investigation et nous avons diligenté une enquête qui a mené nous à la découverte des camions à la rue Égalité, c'est nous, dépôts alimentaires et gazeuses. Comme dit, c'est là que malfait a débarqué marchandise. Donc pour le moment, propriétaire camion donc récupéré lui et il dit que marchandise qui était gagné dans camion est évalué à environ 70,000 dollars américains. Quatre autres individus qui c'est Étienne Emerson, Étienne François Moïse, Alexandre Molière et Nassis Chiltan fait partie d'un gang armé qui porte nom Team Zero qui est basé dans quartier Praville, une zone qui est située dans nord-est de ville Gonaïve. Gang ça selon responsable PNH spécialisé dans divers actes malhonnêtes. Un coup de braquage, viol, cambriolage et latrier. Au moment de l'interpellation de M. Sao, il y a des échanges et que M. Taptire a réussi à sauver, mais la police a interpellé sous dénonciation clamée publique là, quatre individus Sao qui font partie des gangs. Gang ça, il est spécialisé dans le braquage, viol, cambriolage, consommation et vente de produits de stupéfiants. Dans le moment interpellation M. Sayo, la population était clairement identifiée avec la police, le nommé Diossi, yon nan moun qui t'a tiré en direction de la police. Porte-parole PNH là, Maxime Pro fait connaître service investigation la police là, a travaillé pour joindre plusieurs autres individus qui fait partie gang ça qui t'a opéré dans cité indépendance. Et bien, on continue avec information yo dans cité soleil situation plus compliquée face à Kazaka malhonnête population absibi déclaré dans micro la presse. Yo bouke problème banditis là qui c'est celle coq chanté cap continuer si met la pied les botan malgré divers massacres qui fait dans cité ya yo accusé groupe Genève là qui pas quitter yo vivre dans la paix et puis dénoncer toute dérive qu'a fait en pile dans yo mandé la paix yo reportage en dans cité soleil sous insécurité ya côté cap continuer si met la pied les botan malgré divers massacres qui fait dans cité. Yo akize groupe Genève là qui pa kite yo vivre dans la paix et puis dénoncer toute dérive qu'a fait en pile nan yo mandé la paix. Yo reportage en dans cité soleil sous insécurité
côté fédération gang armé yo pa suspend fait railler yon jeune sans papa tap bay explication comment il te recevoir yon balle nan poyet en dans commune cité soleil côté yon longe doit directement sous gang Genève ou toujours sous réseau Paola Sofia TV 83 gros réseau a n'a toujours continué travail pour kembe ou informé j'en toujours dit là sous toute nouvelle en Haïti ak le monde songez abonné si vous avez visité channel là pour la première fois comme ça ou toujours capable rester informé sans pas rater aucun vidéo. Face aux multiples cas d'assassinats, de viols, de vols et d'incendies, les habitants du plus vaste bidonville du pays ne cessent à quel sein se vouer, étant livrés à eux-mêmes. Les gangs armés rivaux de la cité ne cessent de s'affronter. Des affrontements qui ont déjà coûté la vie à pas mal de riverains. Géralda Petit-Frère, mère de 4 enfants, habite à Soleil 17. Son père est décédé après avoir reçu une balle au ventre alors qu'il n'était pas impliqué dans ces conflits. Malheureusement, ça a fonctionné. Ou quand on traite la caoula ou est balle ou apprend. Nous ne savons pas qu'on a appelé, ou pas qu'on soleil. Depuis qu'on vini, le jeune Simon Petit, c'est balle ou balle. L'autre bois a une femme enceinte qui a 9 mois. Il prend seul balle pour tête l'île mourir. L'exa, ou pas qu'on grand monde, ou pas qu'on a qu'un Simon. Depuis qu'on vini, le massacre qu'on fait dans la zone à Medzifé, fait toute violence sous forme. En pitou, yo bon mes depuis au genou, depuis de getan koui, yo kontra avoy yo menan zonan, depuis au genou efoué, au violo, yo fait tout vie exact sou. Parmi les victimes, figure également Alexandre Donaldson, âgé de 15 ans, orphelin de père et de mère. Il a reçu un projectile au bras gauche, alors qu'il était allé chercher quelque chose pour sa grand-mère. Pendant que je suis là, je suis venu pour sa grand-mère, je me donne de l'eau à cette terre. Pendant que je suis à bon, je suis venu pour ça, je tire balade, Les habitants de Cité Soleil pointent du doigt les chefs des gangs de Bélékou et de Boston, deux quartiers voisins. Ils s'affrontent de jour comme de nuit. L'un d'entre eux bénéficie du soutien de Jimmy Cherizi alias Barbecue, membre de G9 en famille allié. Nek ki gap fè gen yo pa lòt moun se Iska yo ya Mathias, yo pran allié l'autre côté qui sorti Genève yo entré en dan en bas bouclin ti e malerez. Yo même se Genève yo, m pa même besoin di ti police nan konbit la ba ka fè rien pou nou parce que yo même ki gen tout pouvoir pou yo fè ça ou vle fè en dan bouclin nan. Oui, Bélékou Boston, c'est nek sa yo ki gen Genève à la tête, qui a terrorisé la population comme ça. Et bien, depuis l'année que ça a fait une forme de Genève, et bien, c'est nous-mêmes, bagage de nous, c'est d'elle, chaque jour, chaque jour entièrement. Actuellement, les habitants de Cité Soleil sont sur le qui-vive face à la fureur des bandits. Ils sollicitent l'intervention urgente des autorités compétentes. Vive l'autre côté, vive l'autre côté, c'est la peine maison. C'est la paix, nous avons demandé. Même Jean Bouk nous disons la paix. Et pas pourquoi? Et pas qu'on y a Bouk n'a pionné la paix, non? Ça me donne, même d'un, et à bon la paix fait pour nous vivre en paix. Si nous devons sortir, pour nous sortir, pas un problème, nous pas un côté pour nous aller. Dans son dernier rapport sur la situation de terreur qui prévaut à Cité Soleil, le Réseau national de défense des droits humains a fait état d'au moins 111 morts. 48 personnes sont portées disparues. Et 20 autres ont été blessés par balle entre le 1er juin et le 28 juillet 2020. L'armée Pierre Villis déplorait les faits pour voir en place là l'île en toutes les langues avec Mounsayo et d'ailleurs. C'est ça qui expliquait pas rien qui fait pour mettre au Rolio d'après défenseur droit Mounan à l'armée Pierre Villis. Au niveau des PYGH, nous sommes très préoccupés par la question de l'insécurité qui a valé le terrain dans le pays. Notamment à la question de la fédération gang armée. Donc, ne pas oublier ce qui passait dans la Cité Soleil, côté gagnant, femme enceinte, femme timoun, qui est bandit assassiné grand la journée. Et nous regrettons que l'autorité dans le pouvoir qu'il a, n'a pas montré qu'une volonté pour combattre la question de sécurité. Au contraire, nous déplorons la relation de la concordat même qui a gagné entre bandits et pouvoir. Ou un pouvoir qui était champ libre à bandits pour opérer. Alors que même pouvoir, ils ont utilisé la police
pour faire répression sur des citoyens qui ont manifesté pacifiquement, qui ont dénoncé l'insécurité, qui ont dénoncé la corruption, qui ont dénoncé la misère. C'est ça que nous devons faire, utiliser la police pour faire répression sur les gens qui ont manifesté. Alors que les bandits sont capables de circuler, j'en voulais. Je dis à nous arriver dans le niveau côté question, pas de jambes là, où je des gangs à fédérer, fédération gang, un pouvoir qui va prendre quelle disposition pour permettre de freiner la question de sécurité. Donc ça préoccupe nous en pile et l'insécurité qui a développé là dans le pays. Et nous croyons que l'institution, la justice et la police, c'est le fait que gagner une question d'impunité qui est capable de dire Marc fabrique la justice. Là. Le fait que yo pas jamais tracé d'exemple, le fait que y a des bandits qui ont fait des actes, pas rien qui fait jodi à bandits, yo sont capable de dire qu'il y a toute liberté pour circuler. Nous avons différents massacres qui fait, massacre la Saline, tuerie qui fait dans des quartiers populaires, pas rien qui fait, pas qu'un exemple qui tracé, juste jour et jodi à bandits ont circulé. Donc c'est parce que bon pouvoir qui baille quatre blanches à bandits pour opérer qui fait jodi à n'a pas assisté à qualité et sécurité ça en domaine.